Salut à tous, c'est Bakonian Minou, on se retrouve sur Crystal Bleu, Pokémon Crystal Bleu, pour le 29e épisode. Alors dans le dernier épisode, je pense que vous vous en souvenez, on avait battu au lac, au dernier lac, donc la Team Galaxy, et donc on devait les retrouver dans leur QG. Mais je pense qu'il faut d'abord aller, il reste un lac, je pense qu'il faut aller du coup au troisième lac. Du coup ce qu'on va faire... C'est que le dernier lac, celui-là on l'a vu, le deuxième on l'a vu, on va aller tout en haut, au lac Savoir donc. Donc on va s'envoler directement à Vestigion, et on va monter. Là on va prendre le petit KFC avec vol, hop. Allez, zou. Bon, je crois me souvenir que j'avais soigné, je soigne toujours mes Pokémon en fin d'épisode. Ok, alors Nala est assez blindée en XP, on va mettre du coup Lily qui est un petit peu à la traîne. Qui est pas très balèze en plus. Donc voilà, on va prendre la petite bicyclette, c'est là. Il faut qu'on monte au Mont Couronné, j'ai vu sur la carte. Je me souviens plus, on avait déjà été là. Allez, rentre. Hop. C'est juste pour me remémorer un petit peu aussi. Ça me parle. Il y a encore quelqu'un là-dedans? Ouais, il n'y a plus personne, on va pas. Pardon. Alors, du coup. Le lac, il est au nord. Bicyclette, on y va. Donc là, on a le Pokémon. On va dire que c'est là. Alors, on va pas s'embêter, par contre ce qu'on va faire, je vais regarder un petit peu l'argent que j'ai, je vais peut-être m'acheter quelques repousses. Ouais, on va s'acheter quelques repousses. Oh, plus que deux badges les gens, deux badges, on avance bien. Allez, deux repousses vite fait tant qu'on est près d'une ville. Non, on rentre pas là-dedans. Pas très doué avec cette bicyclette, je tape partout. Alors du coup, allez rentre, acheter. Super repousse. Alors je ne prends pas, hein, c'est le rapport nombre de pas pris est plus intéressant avec le super repousse que le max repousse. Donc arrêtez d'acheter des max repousses et blindez-vous de super repousse. Et là je vais me blinder de super repousse. Alors après blinder, je vais peut-être pas non plus craquer tout mon fric là-dedans. Je vais en prendre une cinquantaine. Ce sera pas perdu. Et après qu'est-ce qu'on a niveau des rappels, j'en ai 30, c'est bon. Potion, on s'en fout. Hyper potion, il m'en reste 10, je vais reprendre 10. Au niveau des balles, ok, et j'aime bien les controns, donc on va pousser à 50 et je vais reprendre, je vais craquer tout mon pognon, genre je vais reprendre 5 hyperballs, garder un petit peu d'argent au cas où. Ah, est-ce que c'est bien là au moins? Est-ce que c'est bien là? On prend la carte. Ça a l'air d'être là. Ok. Ok, donc ça a l'air d'être là.
Grimpe jusqu'au ciel, un jour je serai aussi grand que lui. Ok, la drogue, c'est mal. Petit racaillou. Donc on va se taper toute une blinde de montagnards avec des racaillous et des onyx, à la base. L'avantage, c'est que j'ai l'avantage et du type et du niveau, donc c'est cool. Allez, on attaque. Bon, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait atteindre les 200 abonnés. On était à 199 de la dernière vidéo. Et en l'espace d'un jour, je me couche et je me réveille et on est à presque 210. Donc, c'est cool. Alors, à vrai dire, je comprends pas comment... Je sais pas si ça vaut le coup d'essayer de comprendre comment fonctionne YouTube, parce que c'est vraiment de l'aléatoire. Il y a des jours, je prends aucun abonné, puis d'un jour... On sait pas pourquoi, et puis un jour, t'en prends 10, 15, 20... C'est bizarre. Bon, c'est le jeu après. Alors, personne n'a cette rock, je crois, dans mon équipe. Ah, ça va faire niquer une attaque encore, ça. Donc, ça me fait chier d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'il a? Ah sinon je serais bien OP pour mettre un Pokémon au PC, mais... Ah, ça m'énerve. On va essayer sur Lily. Tant pis, on va sacrifier synthèse. Et... C'est une bonne attaque, mais voilà, si je réfléchis un petit peu, pour l'instant j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Tant pis. Plus ça passe, et puis plus Lily, je me rends compte que c'est vraiment pas un bon Pokémon plante. Donc voilà, si j'ai possibilité de le changer, je le ferai sûrement. Ornithologue Armel. Oh, cette coupe de cheveux. On va essayer d'envoyer un petit peu rapidement tous les dresseurs qu'on puisse avancer. Il fait pas le malin ou tout, hein? Il fait pas le malin. Bon, c'était pas la route, mais on m'a trouvé une CT. Ok. Mon couronné, allez. Est-ce que j'ai force? Oui, j'ai force. Ok. Je vais enlever la bicyclette par contre parce que... Polyroche. Ça paraît bizarre, un rocher pile au milieu comme ça. Bon.
Ok, donc ça il fallait pas le faire. Il faudra que je vienne dans l'autre sens. Bon, il lui faut de l'XP, hein, je vais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? C'est quand même pas déjà la sortie. Alors, vous voyez à quel point je peux être débile, c'est que je me fais chier à acheter une blinde de super repousse et je les utilise pas. Donc, on va vite aller utiliser un super repousse. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hein. Alors donc, sac, sac. Bon, ça c'est dans les soins. Super repousse. Ah, le bonheur. Poussière d'étoile, c'est pour pouvoir monter mes Pokémon sur Pokémon Go. Quand tu penses que c'est le Pokémon le plus ridicule, enfin le plus fin de mon équipe, le plus svelte qui a force, c'est un peu dingue quand même. Donc du coup. Je sais jamais où aller, donc on va vite descendre un petit coup là, voir ce qu'il y a. Un rappel, ok. C'est un peu mou du genou là-dedans. Ah, et puis on me propose pas d'en mettre un autre. Oh, il neige, ok. Oh, le bruit de la neige est excellent. Mon couronné. Plop, 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 plop. Est-ce que j'ai un Pokémon qui peut profiter de cette météo? Capitestre. Cette coupe de cheveux, elle est horrible. Cette vieille frange là. Alors, il commence à grêler, ok. Je n'ai pas de Pokémon glace. Ah oui, ok. Le niveau a pris un sacré coup là. Et tu changes juste quand je fais l'attaque combat, normal. Bah oui, sinon ce serait trop drôle. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on va faire eh ben, de la. On va faire une petite balle graine, voir. Ça devrait pas lui faire grand-chose. Sinon, je crois, ouais,
Faut que je me remette en place un petit peu les attaques de mes Pokémon, mais je crois que mon Alakazam a une attaque spectre ballon, moi je crois. Donc du coup on va aller peut-être... Oh non ça passe. On va laisser Lily. Il faut qu'il monte un petit peu. Hein. Ok, entrave. Eh oui, j'aurais dû le charger plus tôt. Il prend pas cher avec la grêle lui. Hein. J'ai l'impression que Lily prenait plus. Voilà, balle ombre. Oui, c'est bon. Allez, enchaîne. Alors. Ouch. Ok. Le one shot par le cap humain. Normal. Normal. Alors. Je me demande si j'ai pas une attaque. Alors j'ai pas fait déflagration parce que j'avais peur que, avec la chance que j'ai, que l'attaque ne passe pas. Je préfère jouer le... La sûreté. La sécurité plutôt. Et hop, un petit singe grillé. À l'apéro, ça fait toujours plaisir. Bon, déjà un de fait, il m'a fumé deux Pokémon. Normal. Ah oui, quand même. Ah bah, je voulais sélectionner les Pokémon, mais bon. Un loc-pain. D'accord. 37. Alors je suis un pingouin, normalement je vis sur la banquise, donc la grêle ne devrait pas me faire peur. Pas très logique tout ça. Pas très très logique. Bon tant pis hein.
Ah oui, je suis con, il est type combat lui maintenant. Oh le boulet. Le gros boulet. C'est vraiment une génération de Pokémon que j'ai vraiment pas accroché quoi. Allez, KFC aéropiqué. Elle fait chier cette grêle, hein. J'ai plus vive attaque, moi. J'ai plus vive attaque. Tant pis. Oh, ce cri énorme. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'à mon avis cette zone neigeuse va pas mal durer, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'épisode ici, je vais vous reprendre tout de suite après. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à liker, à vous abonner, et on se dit à tout de suite. Bye bye!